Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous de rentrer la caillou avec la première sortie nous pour semaine. Ça, à côté, nous avons tombé dans le pays l'Angleterre. Côté un samedi, équipe Tottenham a battu l'équipe Manchester City à 3 goals à 2. Nous avons avec résumé goal et réaction à la presse pour vous. En parlant de pays l'Angleterre, équipe Manchester United l'arrivée imposée 4 goals à 2 face avec Leeds United. Mais ça qui a dominé l'actualité de football là, c'est que l'équipe a fait connaître que si Cristiano voulait aller au Pape Kimbell. Dans le pays l'Italie, il y a une équipe Inter de Milan lui-même qui tombe la qualif face avec Sassuolo 2 goals à 0. Nous avons avec résumé goal et réaction à la presse pour vous. Dans le pays la France, il y a une équipe Paris Saint-Germain un samedi qui est tombé face avec 3 goals à 1. Nous avons avec résumé goal et réaction à la presse. Dans le pays l'Espagne, il y a une équipe FC Barcelone qui arrive imposer 4 goals à 1 face avec l'équipe Valence. Nous avons avec résumé goal et réaction à la presse pour vous. Un samedi, l'équipe Real Madrid la même qui est arrivé imposer 3 goals à 0. La qualif, nous avons avec résumé goal et réaction à la presse également. Toujours dans le pays d'Espagne, selon le journal ça, l'équipe Real de Madrid qui a mis en pression sur Kylian Mbappé pour qu'il rejoigne dans le mois de juin qui va venir là. Bon côté par le journal, ça fait qu'on a eu un duel entre Real de Madrid avec FC Barcelone pour Erling Haaland. C'est une vidéo qui gagne pratiquement tout ça qui a dominé l'actualité football là, mais c'est après pause on a venu avec tout le détail pour. On commence la revue de presse dans le pays la France en dimanche côté journal l'équipe l'était réagi sous défaite équipe Paris Saint-Germain face avec 3 goals à 1. Journal là qui mettait à la une magie jaune. 4 jours après sa victoire 1-0 contre le Real de Madrid, le Paris Saint-Germain a été emporté par le tourbillon nantais. Journal là qui profitait pour souligner bel match portier équipe nantais lui-même qui c'est Alban Lafont qui fait connaître que Alban Lafont était en feu. Mais journal là tout qui rappelait que Neymar Junior lui-même qui était raté en pénalité près de la rencontre là. Et bien fanatique football, comment ça t'est en résumé, c'était Randal Kolo Muani qui t'est ouvert score pour l'équipe Nantes à la 4e minute de jeu. Bien Quentin Merlin à la 16e minute de jeu, t'es mettre le 2e goal là pour l'équipe Nantes pour te mettre 2 goals à 0. Toujours dans la première période là, son pénalité à la 46e minute de jeu, et bien Ludovic Blas qui t'est mettre le 3e goal là pour l'équipe Nantes. Et bien Neymar Junior qui t'a venu réduire score là pour l'équipe Paris Saint-Germain à la 47e minute de jeu. Toujours même Neymar Junior ça t'a venu rater occasion pour te cabrer du score là parce que t'es raté en pénalité dans le compte si là qui te cabre mettre grand à 3 goals à 2. Toujours dans le pays la France, et bien jodi à la journal l'équipe qui réagit sous match côté équipe olympique de Marseille a perdu à domicile face avec Clermont 2 goals à 0. Journal là qui mettait à la une Clermont éteint le volcan. Pour deux fois sur l'Orange Vélodrome et ses 53 000 supporters. Surpris par Clermont, l'Olympique de Marseille reste deuxième mais voit revenir à un point dernier soir. Contre toute attente, équipe Clermont lui-même qui est arrivé imposer en déplacement dans le Vélodrome face avec l'équipe olympique de Marseille. Et bien mes amis, en résumé, comment ça limite, c'était Mohamed Bayo qui a ouvert le score pour l'équipe Clermont à la 13e minute de jeu. En deuxième période, là, à la 84e minute de jeu, il y a Jim Alevina qui a mis le deuxième goal pour te battre victoire à 2 goals à 0 avec l'équipe Clermont. Nous allons écouter dans le pays de l'Angleterre, côté un samedi, il y a un gros choc entre l'équipe Manchester City avec l'équipe Tottenham. Dans côté, c'est Tottenham qui sortit victorieux en déplacement. Mais journal Salin lui mettait à la une Kane vraiment a tout dit équipe Manchester City. Avec défaite équipe Manchester City selon journal ça, et bien la course au titre lui-même que équipe Tottenham lui mettait grand ouvert dans la première ligue là. Et bien côté par ligue journal Demé lui-même qui mettait à la une la course lui était grand ouvert. Journal là qui parlait tout de Guardiola lui-même qui commençait à avoir crainte sous titre première ligue là après que Harry Kane te mettait un doublé pour te a tout dit équipe City. Les fanatiques football, comment ça t'est en résumé, c'était Dejan Kulusevski qui était ouvert score là pour l'équipe Tottenham à la 4e minute de jeu. Et quand même, Ilkay Gundogan à la 33e minute de jeu, t'as vu égaliser pour l'équipe Manchester City à toujours dans la première période là. Et bien, il y a un bon côté par Harry Kane à la 59e minute de jeu, t'as vu mettre goal ça pour te battre avantage là encore une fois avec l'équipe Tottenham Hotspur là. Et bon côté par Riyad Mahrez à la 92e minute de jeu, son pénalité t'es vu égaliser pour l'équipe Manchester City là. Il a fait un contre ça à la 95e minute de jeu avec Harry Kane de la tête qui a vu avantage là au score et bien victoire ça avec l'équipe Tottenham. Toujours dans le pays d'Angleterre, le journal Metro Sport lui-même qui vient sous victoire. Équipe Manchester United là en déplacement 4 goals à 2 face avec Leeds United. Si l'équipe Manchester United a mené 2 goals à 0 et mais Leeds United qui devine égaliser après pour l'équipe Manchester United a décapré avantage là 4 goals à 2. Et après un contre ça, il y a Ralph Rangnick qui s'est entraîné équipe Manchester United là qui fait connaître que mais après chaud ça, ça montre que nous vraiment unis. Et pour côté par l'équipe journal des Guardians lui-même qui mettait à la une du sang et du tonnerre. Il y a Elanga lui-même qui était touché par un projectile et mais ça qui fait que fait qu'on essaie en honte l'été pour match là.
Mais quand même, Elan Galien qui devine buter dans le compte Silato et qui devine vraiment la mettre en silence dans ce stade là. Et bien, Fanatic Football, en résumé, comment ça limiter? C'était Harry Maguire qui ouvre ce score là pour l'équipe Manchester United à la 34e minute de jeu. Mais Bruno Fernandes même à la 45e minute de jeu dans le temps additionnel. La première période là, qui devine mettre deuxième goal là pour l'équipe Manchester United là. Mais quand même, bien Rodrigo Moreno lui même à la 53e minute de jeu, t'as vu une réduction score là pour l'équipe de Zabou, t'as mis 2 goals à 1. Et Rafinha bon côté par la 54e minute de jeu, t'as été égalisé pour l'équipe de Zabou, t'as mis 2 goals partout. À la 70e minute de jeu, bien Fred t'as vu un avantage là avec l'équipe Manchester United là, 3 goals à 2. Et mes choix pas de camper là, puisque t'as continué à la 88e minute de jeu pour Anthony Elangaliem, t'as mis 4e goal là pour la victoire, ça 4 goals à 2 avec l'équipe Manchester United. Toujours bon côté équipe Manchester United là, un journal Daily Express qui vient sur situation Cristiano Ronaldo dans l'équipe si là. Un journal là qui fait qu'on est que club là qui pape camper dans le chemin Cristiano Ronaldo au cas où t'as voulu quitter club là. Mais au fait qu'on est s'il voulait quitter club là, il pourrait aller sans aucun problème, il pas bloqué. Un journal là qui a les pile de boule fait qu'on est que Cristiano Ronaldo lui-même bon côté parle qui t'a voulu pour quitter Manchester United au cas où il pas t'a qualifié pour la Ligue des Champions. N'a pas bloqué actuellement avec victoire ça, équipe Manchester United là qui était dans 4e place dans le classement Premier League là. Juste avant nous faire la vidéo ça mes amis, quittez nous prendre un petit temps pour nous remercier tout le monde qui déjà mette un like en bas vidéo, à tout le monde qui déjà like page Facebook nous et qui déjà abonné à la chaîne là. Même qui pour faire ça qui soit attendre like page Facebook ça kounia parce que ça vraiment encourager nous pour porter plus de vidéos pour vous. Et si c'est sur YouTube pour suivre nous, rappelez ou même qui pas pour faire ça pour cliquer sur le bouton j'ai la vidéo pour nous abonner et activer la notification, mettez sous toutes. Et nous faire ça chaque jour pour recevoir toute sa gap dominée actualité football là avec résumé goal. On va aller écouter dans le pays l'Italie avec l'équipe Inter de Milan qui fait une défaite à domicile face avec l'équipe Sassuolo à MG Journal Corriere dello Sport qui fait qu'on est que c'est un Inter de Milan qui est dans la ténèbre. Journal qui fait qu'on est que l'équipe Inter de Milan qui rate l'occasion pour te monter dans le classement puisque dans 3 derniers matchs c'est seulement 1 point au point. Mais Inzaghi qui fait qu'on est c'est pas comme ça pour nous capable de jouer de toi si nous avons pour nous gagner encore une fois. Et bien après match, l'équipe Milan s'est également et défaite l'équipe Inter de Milan dans le journal papier rose qui était à la une. Scudetto ça c'est l'équipe qui pifou dans le monde là. Mais journal là qui a l'épine pour le faire qu'on est que Milan c'est 56 points, Inter gagne 2 points de retard avec 54 points, Napoli gagne 3 points de retard avec 53 points et gagne la Juventus qui gagne 47 points soit 9 points de retard. Ça qui fait que Scudetto ça est toujours dans la rue selon le journal ça. Et bien résumé, comment ça limiter pour l'équipe Inter de Milan? Et bien c'est l'équipe Sassuolo qui était ouvert ce score là depuis la première période la soirée à la 8e minute de jeu. Toujours dans la première période là, il y a Jean-Lucas Camacca qui est à la 26e minute de jeu. C'était victoire ça 2 goals à 0 avec l'équipe Sassuolo. Nous prenons le pays l'Espagne avec un samedi, équipe Real de Madrid qui était imposée à domicile 3 goals à 0 face avec Alaves. Mais il y a Asensio qui était buteur pour le record là et qui était demandé le stade là pour faire silence sur sifflet qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Si journal là lui-même il fait qu'on est que l'équipe Real de Madrid n'a pas de capable de marquer goal dans la première période là puisque tu es terminé 0 goal partout, mais c'était Asensio qui a fini décongeler l'équipe Real de Madrid là. Et bon côté par les journal Marca lui-même qui félicite tous les trois attaquants madrilènes qui étaient buteurs dans le compte là pour le mettre à la une, ils ont 6 goals de goal. Et il fait qu'on est que tous les trois attaquants Benzema, Vinicius avec Asensio te mettent goal par dans le compte là. Et avec victoire ça, équipe Real de Madrid là qui isole les têtes dans le tête classement. Et mes amis football commence à limiter en résumé, c'était Marco Asensio avec un très bel goal à la 63e minute de jeu ou risque là pour l'équipe Real de Madrid là. Et un match ça tout avec un 1-2 entre Karim Benzema avec Vinicius Junior et Karim Benzema qui a frappé un ballon dans le poteau. Mais quand même, Karim Benzema qui a fait une ballon passe décisive avec Vinicius Junior à la 80e minute de jeu pour le TKB, mettre deuxième goal là pour l'équipe Real de Madrid. Et bien, Karim Benzema a un bon côté par son pénalité dans la 91e minute de jeu, il a mis troisième goal là pour l'équipe Real de Madrid. Là. Toujours dans le pays l'Espagne, l'équipe FC Barcelona qui fait une large victoire en déplacement car l'équipe Valence 4 goals à 1 et même le journal Sport même qui mettait à la 1 le FC Barcelone vole déjà. Et dans le match ça lui-même, c'est une équipe qui a un pile caractère et Aubameyang qui a marqué un triplé pour la rencontre là. Le FC Barcelone qui fait victoire ça pour conserver 4e place la synonyme de Ligue des Champions. Tivo qui fait qu'on est que c'est une grande prestation pour l'équipe FC Barcelona. Mais il y a Aubameyang lui-même, journal Sato qui souligne prestation au père international gabonais qui t'a fait un triplé pour la rencontre si là. Et bien mes amis, en résumé, comment ça limiter, c'était Pierre-Henrique Aubameyang qui t'a ouvert ce score à la 23e minute de jeu pour l'équipe FC Barcelona. Et bien Frankie de Jong lui-même à la 32e minute de jeu, t'as mis 2 goals à 0 pour FC Barcelona. Aubameyang lui-même avant pause là à la 38e minute de jeu, t'as mis doublé par là pour te faire avantage à 3 goals à 0 pour FC Barcelona.
de retour au vestiaire et même Carlos Soler qui t'a fait un sublime goal à la 52e minute de jeu pour te cabrer du score pour l'équipe FC Valence là. Une frappe de Pedri qui t'a dévissé dans dos Aubameyang t'a fait mettre triplé international gabonais à la 63e minute de jeu pour te battre victoire sa 4 goals à 1. Nous avons quitté le dossier match football le pour nous tomber dans le dossier transfert avec un journal Sahel dans le pays l'Espagne qui fait qu'on est que Emir Real de Madrid a avisé Kylian Mbappé que off ligue pour lui a l'icarab caduque donc l'icarab expiré. Mais selon The Times, l'équipe Real de Madrid a commencé à pressionner Kylian Mbappé. Mais le journal a calé puis nous avons fait qu'on est que l'équipe Real de Madrid a averti Kylian Mbappé que Emir off transfert qui pop là pour longtemps. Je n'en ai pas le faire connaître que si Kylian Mbappé a décidé pour renouveler le contrat même un an avec Paris Saint-Germain encore, mais l'équipe Real de Madrid qui a tout abandonné le dossier, ça net n'est pas tourné sous lui encore. Juste de ces transferts, Neymar Junior lui-même qui déjà a planifié le futur après l'équipe Paris Saint-Germain. Même qui fait connaître que l'État vraiment aimé pour retourner dans le pays Brésil, dans l'équipe Santos, la même a pire aimé jouer dans l'équipe États-Unis, puisque MLS a un championnat qui vraiment coûte et gagne 3 mois vacances. International brésilien lui-même qui commence à planifier le futur et c'est capable dans MLS là dans le pays les États-Unis. Toujours dans le dossier transfert, il y a un journal sport lui-même en samedi qui fait connaître que FC Barcelone avec Real de Madrid a un duel là pour Erling Haaland. Le journal là qui fait connaître que FC Barcelone qui voulait mettre Erling Haaland au cœur du jeu comme ça pour qu'il y ait un potentiel dans l'équipe ça et pourquoi pas prendre ballon d'or là en fois. Mais bon côté par le Real de Madrid qui déjà réuni avec avocat joueur à Monaco selon le journal ça pour qu'il y ait un accord préférentiel. Et si tu es en place Erling Haaland, dans quelle équipe ou t'as parlé, est-ce que c'est un FC Barcelone ou bien un Real de Madrid? Bonne opinion pour nous en commentaire. Et bien mes amis, juste avant, allez songer pour cap et de nous partager vidéo ça à tout côté dans tout groupe Facebook, WhatsApp avec tous les amis qui aiment le football. Quand t'as pour nous, merci avec tout le monde qui t'a suivi vidéo, ça arrive jusqu'à la fin. Rendez-vous avec nous, c'est demain si tu veux pour notre revue de presse. Que bon Dieu bénisse, songez pour cap préparer dans mon pour retour Christ à son baraki essentiel.